n'était pas Lyon qui va recevoir Marseille en clôture de la 18e journée de Ligue 1, un duel des Olympiques donc qui a perdu un peu de sa splendeur, mais ô combien important pour les deux clubs en difficulté en ce moment. François-Xavier de Châteaufort, Edouard G et Florent Germain. Attention, cette saison, Lyon est fragile. Trop souvent, en manque d'efficacité, de réalisme, l'OL piétine au classement en milieu de tableau. Avec seulement 3 victoires, 5 nuls et une défaite à domicile en championnat, c'est le moment pour les Lyonnais de s'offrir un match référence face à Marseille. L'ambition ne doit pas nous quitter, on doit regarder ce qu'on a bien fait, comme je le dis souvent, regarder ce qui nous a manqué, ce qui nous a empêché d'avoir plus de points. Ça s'est joué parfois à peu de choses. Je sens un groupe qui a faim, un groupe qui a repris aussi confiance en lui. Reprendre confiance, repartir de l'avant, c'est aussi l'envie de Marseille avec son nouvel entraîneur José Anigo. Un troisième revers consécutif en Ligue 1 serait malvenu pour l'OM, déjà relégué à 9 points du podium. Pour moi, ça reste, c'est ce que je dis aux joueurs, ça reste un match important du championnat qu'il faut bien négocier. La gagne, il faut vraiment que ça soit imprégné à l'intérieur de l'équipe et pas s'habituer à la défaite, surtout la refuser et la vomir. Lyon et Marseille qui ont perdu de précieux points et en petite forme se retrouvent pour un choc important sur le plan comptable, mais également psychologique.